heure, mon cher. Voilà, bonsoir. Ce soir. Ce soir. Ce soir, nous parlerons du hic. Ah. Voilà. C'est qu'il ne marche pas. Mm-hmm. On a trop de préjugés dans la vie. Et les préjugés sortent de la majorité de ceux qui ne savent pas comment on travaille. Ceux qui ne savent pas comment on travaille, ils ont leur bouche pour arranger, pour caraméliser certaines choses dans la vie. Tu vois quelqu'un parce qu'il a mis une bonne montre, tu as déjà calculé son budget, le budget du niveau d'argent qu'il peut avoir, jusqu'à faire le tour du monde ou du quartier ou de la ville avec. Et le matin, c'est facile que deux, trois personnes soient devant ta porte. Que vraiment, il faut que tu me trouves 30 000 là. Parce que si tu ne me trouves pas 30 000, je ne bouge pas parce que je sais que tu as déjà l'argent. Ou on a quantifié l'argent là comment? Beaucoup de gens souffrent de ça. Nous aussi, on a regardé comme ça hier. Hier, on voyait quelqu'un, il suffisait qu'il soit bien habillé ou bien parce qu'il travaille à tel endroit. On dit non, il a bien l'argent. Il a l'argent. Les gens oublient aussi que tu as le minimum parce que tu te nettoies bien. Il y en a maintenant, tu es maintenant dans un autre système. Tu manges un peu gros, tu vas chez gros. Tu penses que quelqu'un qui a un peu ses moyens, il va aller louer quand même une maison fiable. Après, quand il revient à la fin du mois, quand il veut regarder, il sent que peut-être il a le minimum vital. Certains sont en train de calculer. Que s'il paye la maison. S'il paye la maison. S'il donne le loyer, peut-être, je ne sais pas. Je voilà, 350 000, ça veut dire qu'il touche au moins. Au moins. Donc il calcule là-bas. Il calcule tout. C'est ça, il calcule. Dans les têtes. Ils ne savent même pas comment tu fais. Voilà. D'autres, ils ont même des dons, tu ne sais pas. Voilà. Peut-être d'autres ont même des dons, tu ne sais pas. Je veux dire, des fois, voilà. C'est compliqué. Hein. D'autres te voient avec un nouveau truc, mais c'est la catastrophe. Il y a deux jours, je reste, quelqu'un m'écrit. Il dit, bonjour, Karagan, comment tu vas? Tu risques de ne pas me connaître. Je suis un de tes anciens collègues depuis 2011. Mm-hmm. Bon, j'ai un petit souci financier. Je veux que tu me trouves 50 000 francs. Et puis, je n'ai pas vu le message aussitôt. Après 10 minutes, il me rappelle au téléphone. Il me dit, c'est moi tel, comment tu vas? Je sais que tu ne m'as pas trop remarqué parce qu'on est des collègues peut-être depuis 2011. Je ne sais pas si tu peux me trouver 50 000 francs. Je lui ai posé cette question. J'ai dit, permets-moi de regarder le message. Quand je regarde le message, je le rappelle rapidement. Je lui dis, mon frère, on ne sait jamais. C'était le vrai collègue ou bien c'est vraiment... Vous êtes en train d'inventer quelque chose. Parce que je ne sais pas si quelqu'un est malade. S'il demande une aide à quelqu'un, il exige la somme. Il parle de 50 000 francs. Il faut que je lui donne 50 000 francs. Et qu'on te collecte. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas. Vous n'étiez même pas amis. Mais c'est pas si proche, si quoi, proche. En fait. Mais il te demande 50 000 francs. Et quand tu veux lui poser la question, mais comment? Il dit que maintenant, enfin, tu as déjà l'argent, non? Non, il veut même pas expliquer. Tu as déjà l'argent? Mais quand même, tu crois que si tu donnes 50 000 francs, tu aides quelqu'un de 50 000 francs, ça va faire quoi? Ça va faire que ça t'enlève quoi? Mais ça ce n'est que ça. Ce n'est que 50 000 francs, il n'a pas. Mais ce n'est que ça. Ça t'enlève quoi? Je dis, ah, mon ami, vraiment, vous devez envoyer les gens dans la sorcellerie. Parce que dans la vraie nature de l'homme, si tu as mis les jolies lunettes, on ne sait pas que peut-être un fan ou bien quelqu'un qui aime bien peut bien dire, mais gars, une Louis Vuitton comme ça, mon petit, pour ce que tu fais, c'est bien, mais vas-y. Dès que tu m'aimes, si tu as ça, ça veut dire que c'est que tu as l'argent. Donc, cessez de compter l'argent dans le porte-monnaie des gens et ça va plus vous libérer. Mais c'est parce que tu passes à la télé aussi. Parce que tu passes à la télé. Ceux qui ne passent pas et qui ont plus d'argent, on ne les dérange pas. Ceux qui ne passent pas aussi à la télé, on les dérange toujours même au quartier. Oui, mais pas comme toi. Toi, tu es normal. Parfois, tu es en train de marcher, tu es en train d'hésiter, tu dis, mais ma maman a dit qu'elle est malade, il me faut 30 000 pour envoyer à maman. Dès que tu veux traverser... Quatre personnes devant toi. Et en fait, si tu ne me donnes rien aujourd'hui, tu ne bouges pas. Tu dis, mais de quoi vous parlez? Non, laisse-nous, tu nous donnes. Produit la vie de ça. Sachez que, comme vous voyez les gens, vous croyez qu'ils ont l'argent là. Vous-même, pour vous, on n'entend jamais. À votre niveau, on n'entend jamais. Donc, arrêtez ça. Oui. Sachez que quand un homme même responsable, même les gros patrons, même ceux qui ont plus. Parfois, tu le vois et tu dis, oh, j'ai rien pour le moment, je suis foiré. Parfois, tu le regardes, tu dis, le monsieur, il peut être foiré. Mais oui, c'est vrai, il peut être foiré. Il y a des jours. Il peut être foiré. Il y a des jours.
Oui, il a même besoin de 20 litres par niveau. Mais son foirage n'est pas le tien. Il y a des gens que s'ils mangent par mois, si par mois quelqu'un dépense avec tous ses chats 200 millions et qu'il se retrouve avec seulement 500 000. Oui, c'est pour ça qu'il est le foirage. Mais il n'a pas le même foirage que toi. C'est pas le même foirage, mais il te dit qu'en ce moment ça ne va pas. C'est le même foirage, lui, il le ressent comme toi. En fait, il le ressent pareil parce qu'il était à un certain niveau. Il peut sincèrement être foiré. Moi, j'ai vu les tontons dire, allô petit, ça va? Tu peux me trouver 50 000 francs là, pardon, envoie ça chez tel. Mais tu m'as dit un gros tonton comme ça. Mais il toi aussi, à ton petit niveau, quand tu as ton petit niveau là, quand tu veux 5 000 francs, tu peux comprendre. La réalisation dit de chuter. C'était le hic de Kalaga. C'était le hic, le hockey de Kalaga. Ouais. Je n'oublie pas de dire qu'on est en compagnie de Diana Bouli. Oui. Un bisou à Tatiana. Ah, Tatiana. Il y a beaucoup de Tatiana dans la vie. TikTok, notre Tatiana TikTok. Oui. Elle a revu TikTok. Gros bisous, oui. Tatiana. Voilà. Tatiana TikTok. Oh, elle se vend toujours comme toi. Hein. Ah, tu elle arrive aussi. Non, c'est parce qu'elle a fait les mêmes. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça a arrêté. Non. Oh, d'accord. On va recevoir Chlorelle pour le thème de ce soir. Comment faire savoir à son ou sa partenaire qu'il ou elle a une mauvaise haleine? Voilà, ça c'est un sujet très pertinent. Ah.